Qui est pour son adoption ? Contre ? Donc le texte est adopté. Dans un hémicycle clairsemé, les parlementaires donnent aux malades, dans certains cas, le droit d'être endormis par des médicaments jusqu'à ce que la mort survienne. Une sédation qui se pratiquait déjà, mais désormais encadrée. Malheureusement, il n'y a pas dans la loi ce qu'on appelle un contrôle a posteriori, de façon à ce qu'on puisse faire régulièrement des statistiques qui permettent de vérifier qu'on ne tend pas vers une dérive qui serait la sédation euthanasie. Médecin en soins palliatifs lui aussi, le docteur Carigère, qui s'est un temps occupé de Vincent Lambert, avait une crainte. Que l'arrêt des traitements n'implique plus l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition artificielle. Là, ça aurait été la porte ouverte vers des dérives d'obstination déraisonnable. Donc la loi, elle vient aujourd'hui consolider la jurisprudence, elle vient consolider les pratiques palliatives, elle vient consolider simplement le bon sens de ce que réclament nos patients dans le domaine du raisonnable. Des patients qui reprennent la main sur leurs directives anticipées, les médecins auront l'obligation de les respecter sauf exception, qui devra faire l'objet d'une décision collégiale et figurer dans le dossier du malade.